We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Chris, I think it's over to you now. I thank you very much. Chris, je pense que vous allez pouvoir commencer. Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et bienvenue. Je m'appelle Chris Despain et je serai le modérateur de cette session. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette session principale concernant la confiance. Nous parlerons des manières possibles de construire, de créer de la confiance, de manière à garantir la sécurité du cyberespace. Nous parlerons donc de sujets tels que la confidentialité, la neutralité, le codage. Beaucoup de sujets, d'ailleurs, lors de cette IGF ont déjà concerné la confiance. Il y a eu une session préparatoire à celle que nous commençons maintenant. Je voudrais maintenant demander à la première intervenante de bien vouloir résumer cette réunion préparatoire qui a eu lieu en novembre. Je demanderai ensuite à M. Henri Verdier de bien vouloir prendre la parole. Nous écouterons ensuite le rapport de quelques études, des rapports d'études de cas. Joséphine Manence Reitreid prendra la parole, ainsi que d'autres intervenants d'ailleurs. Nous sommes assez nombreux sur ce colloque. Notre discussion sera ouverte. Nous évoquerons également diverses tendances en ligne liées à la création, à la construction de confiance. Nous parlerons de diverses parties prenantes et de leur rôle en la matière, ainsi que du rôle pouvant être joué par le sommet de l'IGF. Je pense que le moment sera venu aussi, un moment de répondre aux questions qui, entre-temps, auront peut-être été posées via la messagerie. Voilà quel est le programme. Cette session, ce colloque durera 90 minutes. Merci d'être avec nous. Commençons de Chital Mar, avec un résumé de la session préparatoire. Merci beaucoup, Chris. Je suis heureuse de voir que nous sommes aussi nombreux aujourd'hui à participer à cette dernière journée du sommet numérique de l'IGF. Mon rôle, ma mission sera maintenant de vous raconter ce qui s'est passé lors de la session préparatoire, lors de laquelle nous avons pu évoquer divers défis, diverses recommandations à proposer, à soumettre. Et je vais essayer de synthétiser tout cela. Les discussions ont concerné principalement les normes en matière de cyberespace, le sujet de la cybercriminalité. Je vais essayer de vous résumer les recommandations que nous avons à cette occasion préparées. Je commencerai par vous dire une chose, c'est qu'il est très important, la coopération est importante, l'utilisation de ressources déjà existantes, de manière à améliorer la coopération avec les divers représentants des différents groupes sociaux, les ressources existant déjà, politiques notamment, je parle de la volonté politique notamment, ne sont pas toujours adaptées aux besoins courants. C'est pourquoi il nous semble qu'une meilleure coopération serait souhaitable, notamment une coopération entre les spécialistes en cybersécurité, une coopération avec des éléments de bénévolat également, de manière à pouvoir créer plus de compétences pour ce qui est de la sûreté en ligne. Certains groupes sociaux n'ont pas encore la possibilité, et je pense que c'est justement pour ça que la communauté doit s'engager et que nous devons essayer d'impliquer d'autres parties prenantes. Telle était notre première conclusion, c'est que nous avons besoin de plus de coopération. Pour ce qui est des nouvelles normes, il nous semble que la mise en application, l'introduction de nouvelles normes, demande une discussion permanente et des efforts
durable, de manière à mieux comprendre comment fonctionnent les normes dans le cyberespace, de manière à comprendre quelles normes peuvent être acceptées, adoptées par l'ONU, ce qui implique en fait... ça concerne quoi? Ça concerne 11 normes cyberespace dont nous avons parlé dans le cadre des travaux de l'ONU. Il a également été dit que lors de cette discussion du sommet numérique de l'IGF, nous nous concentrerions sur les possibilités de mise en application et d'introduction de normes sur lesquelles nous sommes déjà mis d'accord et qui concernent le cyberespace. Nous avons parlé également d'un forum prévu sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité pour ce qui est de la cybercriminalité. Nous avons noté le fait que les discussions sur le sujet demandaient un soutien technique ainsi qu'un soutien politique, avec des solutions politiques. Et ça signifie que là encore, la communauté doit être engagée, impliquée de manière multilatérale. Et puis simultanément, il faut comprendre, il faut se souvenir que le but n'est pas d'enfreindre la liberté d'expression en ligne. Nous avons également dit que l'échange d'informations devait être plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui, qu'il était important que nous continuions à réformer les processus d'octroiement d'aide réciproque pour ce qui est notamment de la cybercriminalité, de manière à ce que les aides n'aillent pas enfreindre les droits des usagers. Voilà ce qui s'est dit lors de cette session préparatoire. On a aussi évoqué les défis. Par exemple, pour ce qui est des États africains, il y a de nombreux obstacles, de nombreux défis à relever, liés en général aux infrastructures de base, parfois à une absence ou un manque de volonté politique, parce que les chefs d'État ne veulent pas toujours allouer les ressources dont on aurait vraiment besoin. Le degré de participation sociale également n'est pas toujours optimal. Ça, ce sont des choses à commenter au plus haut niveau. Nous avons également dit que les défis étaient différents. Il y avait des défis différents qui étaient liés à un manque de financement, un manque de budget. Il a été question de la nécessité de construire, de créer de nouvelles compétences au niveau des PME, dans les PME. Nous avons parlé des nouveaux dangers qui se profilent à l'horizon pour les États membres, et puis d'autres défis plutôt liés à la gestion des données, à la circulation des données, à caractère transfrontalier international. Nous avons également évoqué le fait qu'on parle beaucoup de chiffrage, mais en réalité, les PME technologiques font souvent l'objet d'attaques de pirates informatiques, et c'est pourquoi il faut créer des solutions, des outils pour les PME. Ce que nous avons dit aussi, c'est qu'en matière de cybersécurité et de coopération, nous avons besoin de nouvelles ressources de coopération, de nouveaux outils de coopération. Et pour ce qui est justement de la création de nouvelles ressources, il est important d'organiser des formations, d'impliquer des gens de divers groupes, divers secteurs, avec divers domaines de connaissances, diverses expériences, pour commenter ensemble des études de cas. Pour ce qui est des questions de chiffrage, de codage, nous avons considéré qu'une discussion plus précise sur le sujet était nécessaire. Pour ce qui est de la mise en application de nouvelles solutions, ce qui a été dit, c'est que il faudrait réduire les dangers, mais aussi organiser des formations concernant les nouvelles normes internationales. C'est tout pour l'instant, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au résumé des discussions préparatoires. Je suis très curieuse d'entendre la suite de la conversation. Merci beaucoup, Sheetal, pour ce résumé. Je pense que
Nous vous redonnerons la parole plus tard pour vous demander de commenter ceci et cela. Ne vous déconnectez pas, ne partez pas trop loin. Nous allons maintenant commenter les tendances principales avec d'abord Henri Verdier. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonne nuit. Je crois qu'on peut faire une spéciale dédicace à nos amis qui sont du Texas ou de DC et pour qui il est 3 heures du matin. Et puis, je salue les traducteurs parce que c'est eux qui font vivre la francophonie et la diversité culturelle dans nos débats et je trouve ça très précieux. Je suis également heureux ce matin de vous parler en français. Et merci beaucoup de l'invitation et de m'offrir la première prise de parole. Je voudrais commencer par une idée simple, mais qu'on n'entend plus suffisamment. Internet, parce qu'il était décentralisé, parce qu'il est neutre, parce qu'il est libre et ouvert, a ouvert un cycle d'innovation sans précédent, un cycle de démocratie, d'intelligence collective, de création, d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, de développement économique. Et aujourd'hui, nous avons à faire face à des difficultés qu'il va falloir résoudre. Mais je crois, nous croyons, la France, l'Europe et beaucoup d'entre nous à l'IGF, que nous devons trouver les solutions dans ces mêmes principes qui nous ont apporté 50 ans d'innovation et de croissance. Et qu'il ne faut pas contester ce modèle initial, mais au contraire le remettre au centre du débat. Les menaces auxquelles nous avons à faire face, je dis souvent qu'il y en a 3 et parfois 4. La première, ne l'oublions pas parce qu'elle est là quand même, c'est le trop grand déséquilibre. Si quelques entreprises rares ou quelques États rares ont un quasi-monopole de l'intelligence artificielle, de la capacité de chiffrement ou que sais-je, nous aurons un Internet déséquilibré et nous serons menacés. Le deuxième, vous venez d'en parler beaucoup dans le résumé, Chital, c'est la weaponization, c'est les acteurs malveillants qui apprennent à utiliser le numérique contre la paix ou contre la sécurité. Alors, on a de très grandes questions de cybersécurité et puis on a des questions de manipulation de l'information. Et ces acteurs sont, la plupart d'entre eux, criminels, mais parfois, on trouve des acteurs étatiques ou protégés par les États. Et c'est inquiétant. Et puis, j'ai envie de dire, il y a quand même une troisième série de problèmes. On pourrait les appeler les externalités négatives. On voit maintenant que les business models ou les algorithmes de certaines entreprises génèrent des externalités négatives. C'est pas grave, on va les corriger. On a eu d'autres problèmes avec l'industrie et l'environnement ou avec. Voilà, c'est pas la seule industrie qui génère des problèmes, mais il faudra les résoudre. Et je disais qu'on a peut-être 4 menaces parce qu'évidemment, face à ces dangers, si les États réagissent de manière autoritaire, centralisée, en prétendant réguler seuls, bah, ils se révéleront la quatrième menace sur cet Internet libre et ouvert. Donc, il s'agit de trouver des réponses qui respectent la diversité, le multistakeholderisme, la transparence, l'intelligence collective et la neutralité d'Internet et sa liberté. La France s'est engagée dans cette voie avec force. Vous ne le savez peut-être pas, mais dès les premières semaines de son mandat, le président Macron a prononcé un grand discours sur l'Europe, où il a dit, en 2017, le discours de la Sorbonne, où il a dit que l'Europe devait définir un cadre de régulation numérique pour ne pas subir la loi du plus fort. Et c'était une idée importante, pour son propre compte, bien sûr, pour le compte de l'Europe. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, en 2018, nous avons accueilli l'Internet Governance Forum et le président a insisté sur la nécessité de construire par la régulation, c'est une voie nouvelle où les États, avec les acteurs de l'Internet, les sociétés civiles et l'ensemble des acteurs, arrivent à bien réguler et
Il avait précisé, je le cite aujourd'hui, que cette régulation, nous espérions que les géants de la technologie y contribueraient, mais que sinon, elle se ferait avec ou sans eux. Et depuis, nous avons ouvert de nombreux chantiers avec nombre d'entre vous, puisque précisément, nous sommes à la recherche, avec de très nombreux acteurs, mais nous sommes à la recherche d'un multi-stakeholderisme efficace. Alors, nombre d'entre vous en font partie. Vous avez peut-être vu, par exemple, que nous avons lancé l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui a été rejoint il y a 3 semaines, et nous en étions très heureux, par les États-Unis et par la Commission européenne. Et nous sommes maintenant 1200 acteurs, 80 États, plus de 700 entreprises, plus de 350 organisations de la société civile. Et nous travaillons ensemble sur les principes d'une sécurité durable. Et ce qui m'a personnellement beaucoup intéressé dans ce projet, c'est qu'au fond, les DSI des grands groupes industriels, les chercheurs, ils nous ont dit, le travail que vous avez fait depuis 20 ans en diplomatie sur les normes et sur le droit international est essentiel, mais il n'est pas suffisant. Il va falloir construire de la security by design, si je puis me permettre. Il va falloir que les entreprises trouvent des normes de bonnes pratiques. Il va falloir financer réellement la montée en capacité des États qui en font la demande. Il va falloir que la recherche s'entende sur des règles de divulgation responsable des failles. Et ils nous ont signalé tout un ensemble de mesures qui allaient dans le sens de construire une plus grande résilience d'Internet et pas seulement d'interdire les mauvais comportements. Alors, fort de cette initiative, nous travaillons beaucoup ensemble dans l'appel de Paris. Vous avez vu que nous avons publié les résultats de 6 groupes de travail il y a 3 semaines. Mais nous sommes sentis mandatés pour proposer à l'ONU de créer au sein des Nations Unies un Programme of Action, un programme d'action, pour que les Nations Unies, d'une manière inclusive et incluant toutes les parties prenantes, disposent d'un outil permettant de mettre en œuvre ces politiques de sécurité par la résilience. Et nous allons, aujourd'hui, nous sommes déjà 54 États à proposer ce POA, mais nous allons travailler toute l'année pour convaincre les autres. Et nous espérons le proposer à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Je vais être plus court, mais nous avons traité de la même manière la question de la gestion des contenus terroristes après la terrible attaque des mosquées à Christchurch, avec la Nouvelle-Zélande, et puis rapidement une dizaine d'États et des grandes entreprises et de très nombreuses organisations de la société civile. Nous avons réfléchi sur les manières de retirer les contenus terroristes sans délai et dans le respect de l'état de droit, dans le respect d'une exigence de transparence, de règles qui soient les mêmes pour tous, de responsabilité, de accountability les uns devant les autres. Et nous avons prototypé comme ça des protocoles de crise et un fonctionnement qui en particulier a permis de nourrir les travaux en Europe de la régulation européenne sur les retraits de contenus terroristes, mais qui est une communauté, le Christchurch Call, qui va bien au-delà de l'Europe et qui permet un travail renouvelé avec les entreprises et la société civile. De même, nous avons soutenu l'initiative de... Alors là, je passe sur la question des fake news, des disinformation. Nous soutenons fortement l'initiative de Reporters sans frontières, le Forum pour l'information et la démocratie, parce que là aussi, nous pensons que, bien sûr, il faut démonter les réseaux de faux comptes, repérer les deepfakes et les propagations par des robots. C'est très important. Mais si nous ne veillons pas à préserver l'information de qualité, à s'assurer que les journalistes aient l'indépendance politique et économique, à s'assurer que l'information de qualité ait un avantage compétitif, qu'elle soit repérable, eh bien, le travail pour lutter contre la désinformation ne sera pas suffisant. Donc là encore, nous avons rejoint une coalition multi-acteurs au service de cette ambition. Je pourrais continuer, mais je crois qu'il est plus intéressant d'aller assez vite au débat. Je voulais juste vous citer un dernier petit projet, parce que nous y sommes très attachés. Si nous voulons vraiment que ces régulations se fassent dans le respect de l'état de droit,
Il faudra de la transparence, il faudra de la connaissance. Et en particulier, un sujet qui est cher au cœur de mon équipe, c'est le fait que nous vivons de facto aujourd'hui dans un cadre juridique qui sont les conditions générales d'utilisation des entreprises, les Terms of Services. Et qu'il est presque impossible de les comprendre tellement il y en a et tellement ils changent souvent. Et donc, nous essayons de lancer un Digital Common, un commun numérique contributif, et nous faisons appel à toutes les communautés de bonne volonté qui veulent se joindre à nous. C'est l'Open Terms Archive. Nous pensons, je viens de mettre le lien là dans le chat, nous pensons qu'il est nécessaire que nous ayons tous, société civile, entreprise, chercheurs en sciences juridiques, État, régulateur, une capacité de comprendre et d'analyser la manière dont les content policies, les privacy policies et toutes ces choses si importantes sont réellement traitées dans les Terms of Services des entreprises et dont elles évoluent. Et donc, nous avons fait cet outil qui permet à chacun d'analyser tout ça, d'analyser les évolutions. Et nous avons commencé avec quelques alliés, notamment l'association TOSBAC. Et pour l'instant, nous avons 700 contrats, mais il en faut des milliers et des milliers. Et nous espérons que d'autres communautés vont se joindre au mouvement et nous aider. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, nous avons créé ensemble, toutes nos communautés, cet Internet extraordinaire. Il y a des difficultés, mais il n'y a pas de raison de ne pas considérer que nous pouvons régler ces difficultés avec les mêmes principes qui ont fait le succès d'Internet depuis 50 ans. Merci beaucoup. Thank you, Henri. That's excellent, and thank you for the link. No doubt. Merci, Henri. Merci aussi pour le lien que tu viens de nous envoyer. Nous allons l'utiliser avec plaisir après la fin de la session. Maintenant, on va passer la parole à Craig Jones, qui est le directeur pour la cybercriminalité au sein d'Interpol. Une analyse des tendances présentes. Yes, quelle est la perspective d'Interpol? Craig, ici, Chris. La vidéo ne marche pas. Apparemment, tu as ta caméra qui ne marche pas. À toi de décider si tu veux être visible ou pas. Mais je te permettrai de... Voilà, on te voit. En ce qui concerne la situation présente, régionale, mondiale et locale, du point de vue d'Interpol, nous voyons que nous avons affaire à des problèmes en ce qui concerne la connectivité et différents aspects. Maintenant, nous voyons un changement dans le cadre duquel nous voyons de plus en plus d'attaques qui sont déjà contre l'infrastructure clé, y compris les hôpitaux ou l'infrastructure des télécoms. Donc ça, c'est un gros problème. Et pendant le sommet IGF, nous en avons déjà beaucoup parlé, mais bien sûr, Interpol est conscient de l'échelle de ce problème. Nous savons que c'est une échelle mondiale qui est de plus en plus visible par des 195 pays membres de l'ONU. Voyons aussi que pendant la pandémie, après la pandémie, on voit arriver de nouveaux types de cybercriminalité. On voit des types de ransomware. On voit des escroqueries. On utilise à cet effet des connexions téléphoniques et d'autres choses de ce type. Donc les dangers dans le cyberespace sont de plus en plus grand. Nous voyons aussi que les criminels utilisent abusent des besoins sociaux. Ils exploitent les craintes qui sont liées à la situation qui a lieu après le début de la pandémie du coronavirus depuis mars 2020. Les attaques donc qui sont dirigées vers les infrastructures critiques ont pour objectif de maximiser les dommages, mais aussi des bénéfices financiers pour les criminels. Nous voyons que
surtout les attaques du type ransomware qui essayent d'extorquer de l'argent de la part des victimes, deviennent de plus en plus populaires, deviennent un modèle de business lucratif pour les cybercriminels. Donc ce sont des attaques dont la motivation principale est la motivation financière. En particulier, ce type d'attaques utilisent les monnaies virtuelles. Donc nous voyons, surtout après la pandémie, nous avons eu affaire à cette tendance où les criminels sont de plus en plus efficaces. Car comme l'un des premiers, ils utilisent des technologies qui ne sont pas encore connues du public. Donc nous voyons de ce type d'attaques en Europe, en Afrique, en Asie du Sud et de l'Ouest. C'est des attaques qui peuvent avoir lieu en même temps, en parallèle, dans différentes parties du monde. En même temps, les cybercriminels utilisent de plus en plus souvent ce qu'on appelle le darknet, et par les structures de ce darknet, ils obtiennent un accès anonyme, intraçable, qu'ils peuvent utiliser à des fins criminelles. Ils utilisent différents types de cryptage, grâce à quoi ils brouillent les traces. Il est donc difficile de les trouver et de les faire passer en justice. Donc nous voulons assurer des mécanismes qui permettront de poursuivre de manière efficace ce type de crime sur Internet. Souvent, Interpol se penche là-dessus et nous avons créé un groupe de travail dans le cadre du programme de lutte contre la cybercriminalité. Dans le cadre de ce groupe, nous faisons des évaluations du niveau de danger. Surtout en 2021, nous avons publié un rapport concernant l'évaluation des dangers, en particulier en Afrique. Nous regardons qu'est-ce que la situation dans des régions concrètes et nous considérons qu'nous avons besoin d'une coordination régionale pour contrecarrer ce type de danger. Cependant, Interpol est une organisation neutre et nous élaborons des plateformes destinées à la communication entre les 195 pays membres pour rendre possible la poursuite des crimes sur Internet. Nous savons qu'il existe des cadres juridiques efficaces qui permettent d'échanger des informations entre les partenaires du secteur privé et du secteur public. Et nous considérons qu'il faut les utiliser. Souvenons-nous que les organes qui s'occupent de la poursuite ont un rôle à jouer à tous les niveaux. On a besoin d'une approche multilatérale et sur la base de cette approche, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ainsi que les communautés peuvent mieux protéger les biens et la santé et la vie des gens qui peuvent être en danger vu la cybercriminalité. Mais souvenons-nous, il ne s'agit pas seulement de poursuivre des criminels concrets. Il s'agit aussi de brouiller les mécanismes que ces criminels utilisent. Donc il faut qu'on sache ce qui se passe. Quel type d'attaques sont menées? Nous devons avoir accès à un maximum de ressources à tous les niveaux, local, national et international, pour obtenir les données qui sont nécessaires pour cette lutte. Mais selon nous devons agir dans le cadre de la loi. Et là, nous essayons de travailler avec le secteur privé, les organisations internationales. Mais souvenons-nous que nous devons avant tout utiliser ce modèle qui base sur la confiance dans le cadre de la communauté Internet. Merci beaucoup, Craig. Je vois que tu es à Katowice, sur scène. Nous sommes heureux de te voir sur place. Très bonne intervention, merci beaucoup. On te donnera la parole un peu plus tard. Tu auras l'occasion de répondre à des questions. Maintenant, nous passons à l'intervenant suivant. Nous parlerons d'exemples concrets. D'abord, Josephine Balance, hey, tu avais les diapos qui étaient prêtes, n'est-ce pas? Oui, je vais vous faire part de mon écran. J'ai une présentation qui est prête pour vous. Je vais parler d'un sujet qui est
assez concret. Et je présenterai du point de vue de la société civile ou de la perspective du point de vue des victimes de la cybercriminalité, parce que c'est avec elles que nous travaillons dans le cadre de Hate Aid. Je suis une des directrices exécutives et nous agissons pour le bien des victimes de la criminalité sur Internet. Nous les soutenons aussi émotionnellement et nous leur donnons du conseil en matière de cybersécurité. Nous les conseillons par exemple en matière de quelles sont les données personnel qu'on peut mettre sur le réseau, quelles sont celles qu'on peut absolument pas publier. C'est très intéressant, surtout quand il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux. Donc nous essayons d'aider les victimes pour qu'elles elles sachent faire face à ce qui se passe et qu'elles sachent dans le futur que faire dans le futur et que faire maintenant dans la situation concrète. Nous sommes aussi intéressés par les mécanismes de lutte contre les crimes de ce qu'on appelle law enforcement. En utilisant différents types de plateformes numériques et nous assurons aussi une aide juridique personnes aux victimes de la cybercriminalité pour les aider à résoudre les problèmes formels. Nous sommes aussi intéressés par la construction, ou plutôt pour la sensibilisation, la création d'une conscience. Nous sommes comme des avocats, des plénipotents de ces personnes dans le cadre de cette discussion qui a lieu maintenant sur Internet. Avant, ce n'était pas si nécessaire. Au moment où nous avons été créés, on a créé ça il y a 3 ans en Allemagne. Et ici, en Allemagne, à présent, nous avons déjà donné de l'aide à 1500 personnes et à 150 personnes, nous avons donné de l'aide financière dans le cadre des besoins pour des actions juridiques. Pourquoi notre rôle est si important? Pourquoi sommes-nous si nécessaires? C'est assez simple. Nous voyons tout simplement que maintenant, il se passe beaucoup dans les réseaux sociaux. Nous avons plein d'exemples de langage de haine. Nous voyons les journalistes, les activistes souvent sont attaqués dans les réseaux sociaux. Nous voyons que des jeunes femmes sont activées, les jeunes activistes aussi. Nous voyons que les données personnelles sont utilisées de manière illicite, par exemple pour harceler les personnes, pour les faire chanter. Nous avons même eu des cas où les victimes ont dû déménager car leur adresse physique avait été mise à disposition sur Internet. Elles ne pouvaient pas être certaines d'être sûres dans le cas d'attaques potentielles en dehors de l'espace virtuel. Donc, je pense que ces cas sont un problème très sérieux. Nous essayons d'aider ces personnes qui s'adressent à nous. C'est surtout les groupes marginalisés qui s'adressent à nous le plus souvent. Nous avons affaire très souvent à des personnes qui parlent et qui soutiennent les valeurs morales sur Internet. Elles aussi sont l'objet d'attaques. Je parle ici d'activistes, n'est-ce pas, de politiciens, de journalistes. La violence sur Internet est omniprésente. Il faut que nous en soyons conscients. Nous avons fait une étude à base d'une enquête en Europe dont il résulte que 60% de tous les utilisateurs dans un cas ont eu affaire à la violence sur Internet. Et les jeunes adultes, ce pourcentage dans leur cas, 91%. Donc un nombre énorme de ces personnes ont été victimes de telle ou d'autre violence sur Internet. 50% ont été victimes d'attaques particulièrement violentes. Donc nous voyons que la haine sur Internet est omniprésente. Nous avons le langage de haine que nous affrontons sur Internet tout le temps. Nous voyons que cette violence est un problème, mais
les personnes qui font de telles actions comme, comme langage de la haine, il y en a peu, par contre l'impact de ces actions est significatif. Nous voyons donc qu'on a mené des études à ce sujet et c'est avéré que, par exemple, sur Facebook, 5% d'utilisateurs de cette plateforme répondait de 50% de tous les contenus qui étaient négatifs ou qui étaient quelque part violents. Nous avons fait une petite étude, plus petite encore en Allemagne, et c'est avéré que on avait publié 4000 commentaires négatifs pendant les élections. C'était des commentaires négatifs pleins de haine dirigés contre les politiciens. Et c'est avéré que ces commentaires avaient été publiés par des personnes qui disposaient d'à peine 200 comptes sur Facebook. Nous voyons donc les victimes ont peur, ne savent pas ce qu'elles doivent faire dans cette situation. Nous voyons aussi que les autres gens regardent ça, ils sont témoins, mais se retirent du débat public, ils ne prennent pas parole, ils n'expriment pas leurs opinions parce qu'ils commencent à avoir peur, voyant ce qui se passe. Les gens donc ne veulent pas participer au débat public. Nous voyons donc que nous avons un petit groupe de personnes très agressives et il semble qu'ils sont si bruyants, il semble qu'ils commencent à exprimer des opinions qui ne sont pas majoritaires dans notre société. Seulement le reste de la société ne réagit pas parce qu'elle a peur. Et à notre avis, c'est un danger pour la liberté de l'expression et pour la démocratie. Internet doit être un espace sûr pour les deux côtés, pour les deux parties de ces discussions, pour tous les participants du débat public. Donc, ici, notre organisation rentre sur scène. Nous essayons d'assurer les utilisateurs en leur disant que vous avez le droit de vous exprimer. En cas de situation urgente, nous sommes toujours prêts à les aider. Nous essayons de leur enseigner comment utiliser directement Internet. Et nous essayons aussi de les aider pour prendre des stratégies à long terme. Parce que les personnes avec qui nous travaillons, c'est des personnes qui très souvent deviennent victimes d'attaques. Ce n'est pas des personnes dans le cadre desquelles ces phénomènes sont uniques et ne se répètent jamais. Donc nous essayons de les aider et les préparer pour d'éventuelles attaques futures de ce type. Nous avons aussi une unité spéciale qui est spécialisée dans la cybercriminalité. Donc, par exemple, octroi des conseils juridiques, ce qui est très important parce que dans la société civile, nous voulons que chaque participant de cette société ait accès à l'aide nécessaire. Nous communiquons aussi avec l'opinion publique au sujet de ce que nous arrivons à faire pour que tout le monde soit conscient de notre activité, que tout le monde soit conscient que des organisations telles la nôtre existent et sont prêtes à aider en cas de nécessité. Nous essayons aussi de parler aux politiciens, aux représentants de la loi pour souligner les besoins des victimes et pour créer des accords et pour ouvrir les yeux de toutes ces publics, de ces institutions sur une situation souvent très difficile de ces victimes. Et ici, je dois dire que, et maintenant je prendrai la parole volontiers plus tard, mais ça serait en ce qui concerne les remarques préliminaires. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer au représentant de la Russie. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à cette discussion. Je ne ferai qu'une brève introduction. Pour ce qui est d'Amnesty Tech, l'organisation que je représente, Racha Abdulrahim, c'est comme ça que je m'appelle, c'est une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes en technologie, mais aussi de spécialistes en droits de l'homme, de juristes et de représentants d'autres spécialités. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous travaillons avec des journalistes
C'était notamment le cas cet été. Je vais bientôt vous parler du projet Pegasus dont nous sommes occupés très concrètement, mais d'abord quelques mots en guise d'introduction. Je commencerai par la chose suivante. Amnesty International, pendant de nombreuses années, Amnesty International et d'autres ONG, ainsi que le monde de la recherche et de la science, pour aller très vite, ont remarqué le besoin pressant de parler du manque de transparence par rapport à une surveillance généralisé du cyberespace. Nous entendons donc coopérer avec de nombreux partenaires, comme les ONG par exemple, comme des entreprises technologiques, des équipes de pirates informatiques. En juillet, nous avons lancé une coopération avec la participation de 80 journalistes de 17 organisations médiatiques de 10 pays. Amnesty International, notre atelier, en tout cas, vraiment consacré à la sécurité technologique, est basé à Berlin. Ça n'est pas tout Amnesty International, mais c'est juste un département. Et on étudie la manière dont les États, en fait, utilisent les mécanismes de surveillance numérique généralisée, avec Pegasus, par exemple. Nous en sommes arrivés à la conclusion que la manière dont sont utilisés ces mécanismes, ces outils de surveillance généralisée, de mise sur écoute, très souvent, constituait un véritable danger pour les droits de l'homme et que ces mécanismes étaient utilisés de manière systématique, parfois même pour déstabiliser la sécurité d'État. En ce qui concerne les programmes de type, les spyware, les logiciels espions comme Pegasus, une fois que c'est installé sur votre ordinateur ou sur votre appareil portable, ce qui va se passer, c'est que le pirate, l'espion, va pouvoir prendre complètement le contrôle de votre boîte email, de votre caméra, de votre micro. Le pirate en question va pouvoir, ou l'espion, va pouvoir parler en votre nom. Les juristes peuvent être parfois attaqués, mais aussi les militants, les juristes, les opposants. Et parfois des chefs d'État. Il y a environ 200 journalistes en provenance de 200 pays, des centaines de politiques qui ont été attaqués. Donc personne n'est sûr, personne n'est en sécurité. Chacun peut être attaqué par un logiciel espion. Je n'aurai pas le temps de vous en dire tout ce que je voudrais en dire, parce que je pourrais en parler longtemps, mais il y a eu un journaliste mexicain, par exemple, qui a fait l'objet d'une attaque de ce type en 2018. Environ 40 journalistes indiens également. Une enquête a été menée en coopération avec les plus grandes entreprises médiatiques, les plus grands groupes médiatiques, CNN, New York Times. Et on se rend compte que les cas, il y a pléthore de cas, de nombreux rapports nous arrivent sur nos bureaux concernant, décrivant des cas où des gens ont été victimes de logiciels espions. On se rend compte qu'il y a des cas récurrents de violation des droits de l'homme. Nous en avons été informés par des militants vivant en Palestine, en Israël, au Kazakhstan. Puis encore une chose, très rapidement, je voudrais vous dire ce que l'on fait par rapport à ces attaques systématiques contre la société civile grâce à des logiciels espions. Ce que l'on voudrait faire, en tout cas, c'est analyser l'impact réel sur les vies humaines. Il ne s'agit pas, vous savez, seulement d'une violation de droit à la vie privée, à la confidentialité, parce que les cas que nous avons utilisés, les cas de sommet de logiciels espions,
avec violation de la confidentialité et de la vie privée, on se rend compte qu'il y a d'autres droits qui sont violés. Ce n'est pas que la vie privée, la confidentialité, ne serait-ce que la liberté d'expression, mais le droit à la vie, le droit à la sécurité, c'est l'intégrité physique des personnes qui est mise indirectement souvent à mal, la sécurité psychologique. Vous savez, le danger, il est lié en fait à... C'est qu'en fait, on peut réduire quelqu'un au silence pendant quelques mois. C'est ça qu'on peut faire. On peut réduire un journaliste au silence. On peut empêcher la société civile de fonctionner de cette manière. Pour terminer, je voudrais vous dire que notre enquête a montré que les programmes de type spyware étaient en fait des outils qui jouissaient d'une certaine popularité auprès des pirates qui justement vont souvent attaquer les représentants de la société civile. C'est souvent dans les pays autoritaires où on s'en prend assez saoulement, souvent aux journalistes et aux opposants, qu'on utilise beaucoup ces outils. Donc il est important de mettre au point des cadres juridiques internationaux qui pourraient justement aller juguler les exportations de ce type d'outils, ce qui nous permettrait de protéger les droits de l'homme. Donc ce que je demande, c'est que l'on mette au point de bonnes pratiques et des réglementations internationales pour ce qui est de la création, pour ce qui est de l'utilisation des logiciels espions. Et on a besoin de réglementations internationales concernant les exportations d'outils de ce type. Et puis l'étape intérieure, ce sera plus tard. Je reprendrai la parole si vous me le permettez. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons effectivement l'occasion de revenir à ces aspects vers la fin de notre discussion. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des jours et des jours, et qu'il n'empêche qu'on n'aurait pas encore fait le tour du sujet, tant il est vrai que le sujet est vaste. Je voudrais maintenant que nous... Enfin, moi, je vais demander aux intervenants suivants d'essayer de répondre à deux questions. Les questions sont courtes, les réponses aussi. Il faudrait qu'elles soient assez concises pour qu'on ait encore le temps de faire une session question-réponse interactive avec le public. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, hein, c'est une question ouverte que je pose à tout le monde. La question, c'est la suivante. Comment peut-on accélérer et rendre plus efficaces les normes qui réglementent la sécurité du cyberespace? Et deuxième question, comment sait-on que les mécanismes qui sont appliqués maintenant sont efficaces? Et comment mesurer leur efficacité? Parce qu'on a parfois l'impression qu'on devrait peut-être changer d'approche par rapport à la cybercriminalité. C'est avec un grand intérêt que j'écouterai vos réponses. Et après, je vous promets de vous laisser encore un peu de temps pour qu'on fasse une session questions-réponses avec les participants. Alors, qui en premier? Je vais commencer, Chris, je vous remercie. Lata ici. À mon sens, il va falloir réfléchir à ce que l'on pourra faire dans un futur très proche pour ce qui est de l'adoption de normes internationales. Je voudrais dire avant tout que nous sommes tous reconnaissants pour les efforts qui ont été entrepris par l'Organisation des Nations Unies, qu'il s'agisse des sessions de l'UNGG ou encore des groupes de travail ouverts, ou encore de la dernière feuille de route, qui est un plan de développement de coopération numérique qui a été lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Beaucoup a été fait, beaucoup de choses ont été faites, effectivement, pour aller de l'avant en matière de cybersécurité. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore réussi à mettre au point des normes contraignantes qui vraiment... qui donnerait des résultats tangibles. La question reste ouverte. On parle souvent de normes, mais d'un caractère facultatif. Alors, c'est plus des incitations, des recommandations. C'est pas ça des normes. Il faudrait vraiment qu'il y ait une question de responsabilité. Il faudrait qu'il y ait des conséquences pour les mauvais joueurs. Les normes qui ne sont pas contraignantes
Vous savez, je pense que les mal intentionnés, les plus mal intentionnés ne s'en soucient guère. Et c'est ça, je pense, la limite des normes facultatives sur une base volontaire. Et je pense que les sommets de l'IGF ou de la plateforme qu'on pourrait appeler l'IGF+, sont des choses plus prometteuses. C'est un espace de discussion plus prometteur pour ce sujet qu'est la cybersécurité. Car lors de ce sommet numérique de l'ONU, lors des sommets de l'ONU, il y a beaucoup de représentants des gouvernements qui viennent. Et le MAG, c'est un organe qui jouit quand même de conséquences, de compétences assez conséquentes. Mais je pense que les parlements devraient être plus et mieux représentés lors du sommet numérique de l'ONU et qu'à cette condition, effectivement, le sommet deviendra un espace beaucoup plus prometteur dans la mesure où la probabilité d'y voir naître des normes contraignantes sera revue à la hausse. On se posait la question tout à l'heure de savoir comment mesurer le succès. Enfin, vous posez la question. Je pense que s'il existe des normes en place, respectées, efficaces, alors on pourra effectivement voir ici et là des cas de succès. Nous pourrions effectivement commencer par définir les facteurs de succès. Il faudrait qu'il y ait des indices, il faudrait qu'on puisse noter les choses. Pour mesurer, il faut noter, il faut des unités de mesure. Mais c'est avec un grand intérêt que j'écoute ce que vous dites sur MSG International. Il y a beaucoup de groupes comme ça qui mènent, qui font des efforts et qui réalisent un travail précieux. On sait ce qui se passe grâce aux réseaux sociaux. Mais comme vous m'avez demandé de ne parler que deux minutes, eh bien je ne parlerai pas plus longtemps. Je pourrai reprendre la parole plus tard s'il y a lieu. Merci beaucoup. Merci, Lata. Oui, la gestion du temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce n'est pas une mission gratifiante. C'est le mauvais rôle, mais je pense que quand vous dites qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'il faut d'abord effectivement avoir des unités de mesure avant de mesurer quelque chose, ça c'est une expression d'avant Internet, mais c'est tout à fait vrai, tout à fait pertinent. Bart Grotruis. Oui, bonjour. Je suis négociateur en chef de la nouvelle loi sur la cybersécurité qui entrera en vigueur dans les années à venir. Et je voudrais dire à ce sujet que nous sommes aujourd'hui très engagés pour ce qui est les travaux sur la directive NIS, la Commission européenne, dans un futur très proche, incessamment sous peu, va faire des propositions sur les produits, les appareils connectés, les logiciels, donc software et hardware, pour ce qui est de la cybersécurité. Et je pense qu'il est important de réfléchir à l'identité de ceux qui utilisent ces conditions qui permettent la cybercriminalité. Pour aller plus vite, cherchons à qui le crime profite. Joséphine a parlé d'un ensemble d'outils numériques permettant le cyberespionnage. Il s'agit de chercher à qui les conditions propices au crime profitent, plus exactement. On parle de plus en plus de l'adoption de nouvelles normes, de la création de nouvelles normes. Mais ce qui ne cesse de m'étonner, c'est que on a par exemple un gouvernement qui va, un chef d'État qui va mettre un tweet sur Twitter, par exemple, ou un post sur un autre réseau social en disant « je condamne fermement ce qui se passe dans l'État machin, dans tel ou tel État ». Mais en fait, souvent, c'est
on se gargarise d'une forme d'indignation, mais sans aller plus loin pour ce qui est des faits. Je pense que maintenant qu'il faut que nous créions de véritables instruments, de nouveaux outils, et il nous faut devenir un acteur géopolitique plus important. L'Union européenne doit devenir un véritable acteur géopolitique. Il ne suffit pas de souligner l'importance de notre propre sécurité. Nous devons aussi assurer la sécurité des autres. J'ai réussi à brancher le micro. Je voulais poser une question. J'espère qu'on aura le temps de le faire plus tard. Maintenant, nous allons passer à la personne suivante. Donc, maintenant, de quelle façon assurer une coopération multilatérale en matière de cybersécurité si nous n'avons pas une transparence entière de la part de toutes les parties prenantes. J'espère que quelqu'un prendra position par rapport à ça. Mais maintenant, on va donner la parole à Anastasia. Oui, bonjour. Je vous remercie de me laisser m'exprimer une deuxième fois pendant le sommet IGF. J'espère que ce format virtuel marchera bien. Nous avons entendu de nombreuses remarques fort pertinentes. J'espère que ce sera le cas aussi pendant la dernière journée. En ce qui concerne les normes concernant la cybersécurité, je pense que beaucoup de choses se passent ici, déjà dans beaucoup de secteurs, dans des contrées différentes du monde. La question est de savoir si nous en savons assez sur la mise en œuvre de ces normes et quels sont les enjeux, les défis qui apparaissent dans différents pays, surtout dans les pays émergents et en voie de développement. En fonction de l'état de la société civile, de l'aspect qu'a le secteur privé, etc. Donc c'est la question essentielle ici. Comment obtenir les connaissances supplémentaires et comment savoir quoi faire pour assurer que les normes seront mises en œuvre de manière correcte et comment mettre en œuvre les meilleures pratiques dans ce domaine. Alors je vais donner un exemple pratique qui est apparu dans les travaux du Forum des meilleures pratiques. Donc ici, nous avons parlé concrètement d'enfreintes à la sécurité qui ont eu lieu dans des pays différents. Moi-même, j'y étais impliqué. Dans cette analyse, je veux dire, j'ai parlé aux chercheurs qui s'occupent de ces sujets aux États-Unis, en Europe et en Russie. Et j'ai posé une question de savoir si ils étaient conscients de l'existence de ces normes, en particulier les normes concernant le reporting responsable et les éléments qui sont potentiellement en danger d'attaque. Les personnes à qui je parlais disaient qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui est fait, entre autres, par l'ONU dans cette matière. Donc c'est un rôle pour les sommets de type IGF. Il faudrait qu'il y ait des connaissances plus larges dans ce domaine et que toutes les parties prenantes soient conscientes de ce qui se passe. En ce qui concerne la mise en œuvre, je pense que les dernières journées du sommet IGF comprenaient des ateliers, y compris des ateliers qui concernaient l'aide aux parties intéressées, l'aide pour comprendre les normes concernant l'infrastructure, comment on peut assurer la sécurité. Et ces ateliers étaient très intéressants, car pendant ces ateliers, nous avons parlé entre autres d'exemples des États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément d'initiatives intéressantes. Dans l'Union européenne, il se passe des choses très intéressantes aussi. Donc nous avons analysé ces nouvelles directives, tout ça. Nous avons eu aussi des voix de la région Asie-Pacifique. Et les représentants de la région parlaient des enjeux auxquels ils ont affaire. Je voulais aussi mentionner le fait que les outils pendant l'IGF devraient comprendre cette dimension pratique, que faire pour abolir ces dangers. Alors ici, nous, dans ce format virtuel, nous avons essayé d'organiser un jeu pour les parties intéressées, pour les personnes intéressées qui étaient censées apprendre, enseigner les utilisateurs d'Internet, de savoir de quelle manière être sûr.
dans les activités. Et je veux souligner que l'IGF est une excellente plateforme d'échange d'informations entre les présidents des différents milieux. Merci beaucoup, Anastasia. Et maintenant, nous allons passer à Catherine. Catherine, à toi. Le micro, surtout, si tu peux le brancher. Merci beaucoup, Chris. Je suis heureuse de pouvoir prendre la parole. Je m'exprime comme la dernière. Mais c'est l'habitude que pour les pays africains. Nous sommes toujours à la fin. Non, tu n'es pas la dernière. Il y a encore un intervenant qui attend ça dans laquelle. Enfin, peu importe. Je voulais juste dire que, en ce qui concerne les normes, leur influence est peut-être insuffisante. Vu des questions telles que la responsabilité ou la possibilité de faire des décomptes avec les entités. La responsabilité pour la réalisation, c'est en particulier intéressant dans le cas des pays en voie de développement. J'étais impressionné par ce que disait Joséphine, et j'étais impressionné par les travaux de Hate Aid, car je considère que telle aide, que de telles organisations fournissent est très importante au niveau individuel, mais aussi au niveau de toutes les communautés. Espérons que dans le futur, il sera plus facile de poursuivre les cybercriminels. Il sera plus facile d'assurer de l'aide aux victimes. Nous devrions avoir ici des normes contraignantes, ça ne devrait pas être du bénévolat. Je pense que maintenant il faut que l'on se penche beaucoup plus profondément et plus en détail, et regarder et voir en plus en détail, parce que maintenant nous avons une infrastructure qui est mondiale, qui est importante et qui est utilisée par différents secteurs, par les organisations, par les entités de l'administration publique. Donc nous devons maintenant assurer un système qui pourra être utilisé par toutes ces entités de tous ces milieux. Évidemment, ça sonne très théorique, mais c'est quelque chose de quoi nous devons parler de manière multilatérale si nous voulons élaborer des solutions efficaces qui auront une influence réelle. Nous devons parler ici de deux approches. Je vais juste les mentionner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La première approche est que il existe une certaine culture qui est en évolution, dans laquelle nous vivons, mais elle change, elle évolue. Nous pouvons la former nous-mêmes aussi sur l'échange d'opinions telles que ici, dans le cadre de l'IGF. Nous devons nous parler, nous devons nous écouter et trouver des solutions communes. Mais il y a aussi des solutions qui sont créées dans des régions concrètes, comme l'Europe, comme l'Asie-Pacifique. Et dans le cadre de ces solutions, on élabore des solutions concrètes qui ensuite peuvent être greffées dans d'autres régions. Et peut-être qu'un tel processus peut avancer plus vite que quelque chose qui vient de manière ascendante de tout en bas, où chaque région cherche ses solutions séparément par rapport à ce qui se passe dans les autres régions. Ça serait ça pour ma part. J'écouterai attentivement la suite de la discussion et je prendrai volontiers la parole plus tard. Merci, Catherine. Maintenant, Lise. Oui, merci, Chris. C'était une discussion très agité. D'ailleurs, pas seulement ici, pas pendant toutes les discussions dans le cadre du sommet IGF. C'est un grand intérêt que j'écoutais les synthèses des travaux pendant la session préparatoire. En effet, les présentations étaient très intéressantes. Pour répondre à la première question, je dirais avant tout que il y a des questions qui sont peut-être surprenantes pour certains d'entre vous. Et là, je vais concrètement me référer au fait que nous avons réussi à élaborer un accord entre les États-Unis et la Russie, ce qui concerne les normes et le
contrat du GGE. Ceci a souligné le fait qu'il y avait des normes qui marchent déjà maintenant, mais qu'il faut continuer à développer. Nous voyons aussi une implication des différents pays dans la coopération avec d'autres entités, d'autres acteurs, pour mettre en œuvre ces normes et aussi pour communiquer avec les autres pays au sujet de la manière dont ces normes sont mises en œuvre. Le fait que les gens soient prêts à pour une telle coopération, c'est un pas vers l'avant. Ça permet de redéfinir l'approche des normes et l'approche de leur mise en œuvre et de leur respect en pratique. Dans des situations concrètes, dans des pays différents. Je pense que dans le futur, ce sera perçu comme quelque chose de très positif. Nous avons aussi affaire à des défis dont on a beaucoup parlé ici. Et nous ne pouvons pas sous-estimer le rôle. Mais il y a aussi une tendance positive. Et au sujet de celle-ci, je me réfère justement à ce consensus que nous sommes arrivés à créer. Pour ce qui est de du développement des compétences, c'est très important. Le gouvernement américain coopère avec d'autres entités, avec des associations notamment, pour bâtir ces compétences. En ce qui concerne la deuxième question, eh bien, nous disons toujours que la sécurité, ça n'est pas un état concret que nous avons réussi à atteindre, c'est un processus dont nous devons travailler pour cette sécurité. Mais évidemment, il y a des critères dans lesquels, si on les remplit, ça peut prouver que nous avons réussi à créer un environnement plus sûr, basé sur plus de confiance. L'un de ces critères est le fait de remarquer si un pays entreprend des efforts pour créer une législation concernant la cybercriminalité. Est-ce que la cybercriminalité est prise en compte du tout en ce qui concerne les cadres de la loi pénale, mettons, dans les différents pays? C'est donc l'un de ces critères, car il faut veiller à ce que la cybersécurité soit poursuivie et qu'il y ait des mécanismes d'enquête, par exemple, dans le cadre de crimes sur Internet. L'aspect comportemental est aussi très important. Est-ce que nous marquons des changements de comportement dans le milieu des criminels sur Internet? Si nous sommes en état de suivre ces changements de tendance, ça indique que nous allons dans la bonne direction, que nous sommes à jour. Donc je pense que nous avons des normes qui ne sont pas complètement contraignantes, certes, mais souvenons-nous que nous, en tant que communauté, nous devrions essayer de veiller à ce que ces normes soient respectées et que dans le cas d'enfreinte ou de cybercrime, que les cons en soient tirés. Les États-Unis et les autres pays font attention et attirent l'attention sur les cas d'activité criminelle sur Internet par des pays concrets. Et là, nous avons certains outils à notre disposition, notamment les sanctions ou autres. Donc, indépendamment de si on parle de cas de crimes individuels ou si nous parlons de criminalité sous l'égide d'un État, nous devons avoir des mécanismes d'en tirer des conséquences. Ça serait ça pour les tendances que je remarque. Merci beaucoup. Nous allons bientôt passer à la session de questions-réponses et commentaires. Mais encore une intervention avant. Il y a des questions aussi dans la messagerie, me semble-t-il. Lata voudrait prendre la parole. Je vais lui donner la parole dès maintenant, avant que nous passions à la session de questions-réponses. Oui, moi, je voulais juste dire que j'ai répondu à une question lors de ma présence, lors de ma participation au sommet de l'IGF. Je me souviens qu'un des participants m'a demandé quelles étaient les
les conséquences possibles, les différentes conséquences possibles en cas de violation des normes. Et ma foi, je pense que pour ce qui est des conséquences, il faut faire la différence entre les conséquences qui peuvent être, les mesures qui peuvent être prises envers les États et envers les individus. Contre les États ou contre les individus, ce sont des choses différentes. Et je pense qu'une hiérarchie est nécessaire. Je pense qu'il faut pouvoir qualifier les différents délits, les différents crimes. Certains délits peuvent avoir des conséquences particulièrement graves ou au contraire plutôt bénignes. Je pense qu'il est intéressant, important, de faire la différence tout de même entre les choses, de ne pas tout mélanger. À voir aussi, est-ce qu'on a affaire à des activités menées par un État concret ou à une criminalité perpétrée par des individus, par des criminels. Ce n'est pas la même chose. Il y a des criminels de droit commun, il y a des activités illicites, de renseignement illicite. Après, on peut avoir aussi un mélange des deux. On peut avoir des criminels qui sont sponsorisés en fait par un État. Mais parlons au moins ouvertement de ces cas dans l'espace public. Je voudrais également rappeler d'autres travaux en ce qui concerne la création de normes, avec notamment l'entente, l'accord qui a été passé à Paris sur le sujet. Je voudrais aussi rappeler les travaux de la Commission mondiale aux affaires liées à la cyberstabilité. Si j'en ai le temps, je mentionnerai ces initiatives qui sont particulièrement vertueuses. Ça s'inscrit très bien dans ce qui se passe, dans ce qui est fait par l'ONU et ce dont on parle ici lors de ce sommet numérique. S'il devait y avoir des questions plus précises, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Lata. Nous apprécions à sa juste valeur votre intervention, car c'est bien pour cela que nous sommes ici. C'est pour évoquer ces sujets. Il y a plusieurs personnes qui voudraient prendre la parole, mais avant de la leur donner, je voudrais donner le micro à quelqu'un qui est ici dans la salle et qui lève la main. Il y a des gens qui lèvent la main. Rappelez-vous que tout le monde n'est pas en ligne. Il y a des gens qui sont ici à Katowice et qui peuvent vouloir prendre la parole. Je vois deux personnes qui lèvent la main. Si vous confirmez, oui, on va leur donner la possibilité de prendre la parole. Il y a aussi des questions dans la messagerie, d'ailleurs. Mais d'abord, passons à Craig, puis à Liesel et ensuite à Anastasia. D'accord. Je voudrais mentionner ce qui a été dit par Lata concernant les réactions possibles. Je pense que, à l'heure qu'il est, nous devons effectivement lancer des enquêtes au niveau des parquets, au niveau des forces de l'ordre. Et il faut mener les enquêtes là où sont les pirates. Donc ça veut dire qu'il faut coopérer avec les autorités locales. Ça demande une véritable coopération, plus que des mécanismes de type extradition. Donc c'est une approche particulièrement utile. Ça demande une intense coopération entre les enquêteurs des divers pays. On a un projet comme ça en Afrique. Le but, justement, est d'intensifier la coopération. De notre côté, on peut s'informer des détails du projet, mais comme je le disais, il s'agit avant tout d'intensifier la coopération entre divers acteurs. Et quand je parle d'acteurs, je parle ici d'enquêteurs, bien sûr, d'institutions de police. Question maintenant. Bientôt, là, c'est la session de questions-réponses, donc merci d'être concis, Lucille Franz. Oui, merci Chris. Lata a eu tout à fait raison de dire qu'au lieu de montrer du doigt et de stigmatiser telle ou telle partie, il serait bon d'appeler les choses, d'appeler un chat, mais sans hausser le ton et ensuite de discuter. C'est le principe de la diplomatie. Il faut négocier avant d'accuser les gens publiquement. Nous créons les cadres de négociation appropriés de manière à ce que nous puissions parler de ce que c'est d'être responsable. Une fois qu'on aura réussi à mettre au point des accords, à s'entendre sur des accords, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est tout ce que je voulais dire. Donc d'abord, négocier de manière ouverte. Très bien, nous allons passer aux questions des participants qui sont ici sur place. Oui, merci beaucoup.
Merci pour ces présentations. C'était particulièrement instructif. Nous avons entendu beaucoup de choses sur notre tendance, sur notre exposition à diverses attaques numériques. J'attendais avec impatience qu'on parle de la collecte illégale de données, notamment par les agences de renseignement. Est-ce que quelqu'un pourrait commenter le sujet? Oui, c'est une bonne question. Je vais demander à nos intervenants si quelqu'un voudrait prendre la parole à ce sujet. La collecte illégale, la saisie et la collecte illégale de données par les agences de renseignement. Je n'ai pas l'impression que ça se bouscule le portillon. Si, moi je veux bien commenter. Nous allons voir pour la suite, mais moi j'aimerais commenter ce qui a été dit. Bart Grotreus, ici, c'est une excellente question. On parle. De tendances inquiétantes, effectivement, dont il est fait écho ici et là. Pour ce qui est du contexte international, par exemple, en Chine, il a été dit avec fermeté que le marché serait fermé aux entreprises externes. Je crois qu'on devrait ici prendre des efforts diplomatiques très importants et décider de manière à mener des négociations autour de ce sujet, parce que si on prend en considération le fait que la Chine aujourd'hui vole régulièrement des informations et viole les principes de propriété intellectuelle sans vouloir coopérer avec le reste du monde, ça ne pousse pas à l'optimisme. Alors, si on voit par exemple Israël qui exporte des outils à la Hongrie, à la Pologne, etc., ou à l'Arabie Saoudite, là aussi c'est assez inquiétant. Je pense que ce sont des phénomènes qu'il faut commenter dans des conditions diplomatiques, tout en mettant la pression diplomatiquement sur les fautifs. Nous ne pouvons pas ignorer ce type d'agissement. Nous ne pouvons pas ignorer, faire semblant de ne pas avoir remarqué les attaques de type Zero Day. Souvent, hélas, il nous est impossible en la matière de coopérer. Et même si on n'est pas en mesure d'empêcher complètement les Zero Day, on peut tout de même lutter contre les logiciels espions et introduire de meilleures normes démocratiques par la négociation et par les outils diplomatiques. Merci beaucoup pour ce commentaire. Oui, moi je voudrais, Anastasia Kazakova, je voudrais aussi ajouter quelque chose de mon côté, quelques mots par rapport à ce qui a été dit concernant les attaques et les vulnérabilités Zero Day. En tant que communauté internationale, nous sommes porteurs d'une certaine responsabilité et nous avons le devoir de réagir à ce type d'attaque. Cela étant, il serait bienvenu d'harmoniser les approches des différents gouvernements, des différents États, de manière à pouvoir en commun, ensemble, améliorer la transparence du processus de collecte de données sur ce type d'attaque et de prendre des mesures ensemble visant à réagir à ces attaques. Je pense que ce serait crucial. Il faudrait faire en sorte que le secteur technologique ne devienne pas déchiré, écartelé entre diverses règles, divers cadres juridiques, divers au sens propre, divers et variés. Ce serait vraiment quelque chose, un scénario à éviter. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que pour ce qui est de la cybercriminalité et de ces divers avatars, il est important de renforcer les possibilités des organes des polices, tout simplement. Des polices nationales, des polices judiciaires, des parquets. Il faut aussi discuter en détail
de l'identité, enfin de, des compétences qui devraient être celles des polices et des procureurs, et puis d'harmoniser nos efforts en ce sens. Merci beaucoup. De les rendre plus cohérents. Merci beaucoup, Anastasia. Nous allons maintenant passer à notre plateforme en ligne, car je vois que des questions ont également été posées en ligne sur la messagerie. Oui, merci beaucoup de me donner la possibilité de prendre la parole. C'est notre plateforme à distance ici à Dhaka, le forum de gouvernance Internet. Est pour nous une excellente manière, un excellent espace, une excellente plateforme pour ce qui est de partager nos expériences et d'en apprendre le plus possible sur les vôtres. Ma question concernerait les jeunes. Ces jeunes qui sont assez souvent les premières victimes des cyberattaques, je voudrais savoir si le forum de gouvernance Internet pourrait commenter cet aspect-là, ces dangers qui rôdent notamment sur les réseaux sociaux et qui font la chasse aux jeunes. Merci beaucoup. Cette question sera posée, donc elle est posée. Qui voudrait répondre? Moi, je m'appelle Hado Al-Hassan, je suis venu du Nigeria et je vais ajouter une question, la suivante. Moi, en fait, je voudrais demander aux experts d'expliquer de quelle manière les États peuvent réduire, atténuer les risques numériques lorsqu'on a des cas de cybercriminalité sponsorisés, commandités par des États. Ça, c'est des choses qui arrivent. Un État A attaque un État B en engageant des cybercriminels soi-disant privés qui sont payés sous la table. D'accord, merci beaucoup pour ce commentaire. Nous allons maintenant passer à Joséphine. Merci beaucoup. Je répondrai plutôt à la première question parce que c'est lié de près à ce que je comptais justement vous dire. Je suis heureuse de voir votre volonté de rencontrer les représentants des big tech companies, des principaux acteurs du secteur numérique. Souvent, malheureusement, on ne sait pas qui devrait être tenu responsable, qui devrait être inquiété en fait par le pouvoir exécutif. Dans tel ou tel, ça se passe souvent même en Europe, donc il faut trouver des solutions mondiales. Je pense que on remarque tout de même le fait que les questions auto-réglementation, le fait de s'imposer des normes soi-même au sein des entreprises, que ça ne suffit pas en fait. L'étape où on en est montre, l'étape qui est la nôtre montre qu'on a besoin de véritables normes internationales. Catherine. Thank you very much, Chris. Merci beaucoup, Chris. Je voudrais évoquer les commentaires précédents. Je pense que les efforts de l'UNGG et du groupe de travail ouvert concerne justement les aspects liés aux attaques entreprises par des États, les attaques lancées par des États. Ce sont les forums sur lesquels on s'occupe de ce qu'on appelle la weaponization de la technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de transformer une technique en arme. Et les normes internationales, en fait, on en a, on fonctionne dans le cadre d'une loi, d'un droit international. Et je crois que lorsqu'on a affaire à des conflits inter-États, eh bien, il ne faut pas dire qu'on n'a pas d'outils juridiques. Nous avons des États juridiques à notre disposition. Il convient cependant de construire encore plus de confiance réciproque de manière à ce que les tensions entre les États soient
soit limité. Créons de nouvelles possibilités aussi en matière de coopération internationale lorsqu'il y a des cas de danger dans le cyberespace. Souvenons-nous en effet qu'il est important qu'il n'y ait pas de maillon faible le long de la chaîne. Il est important que tous les États soient impliqués, engagés. Il est important qu'aucun ne soit particulièrement stigmatisé. Par rapport à une question qui a été posée ou un commentaire qui a été fait au niveau de la plateforme à Dhaka, la cybercriminalité, ça paye, c'est rentable. Et donc forcément, quand quelque chose est rentable, ça a plutôt tendance à pulluler plutôt qu'à disparaître. Donc beaucoup de cybercriminels, ce qui est important en fait, c'est que les cybercriminels doivent être punis. Si le pourcentage de cas résolus et de punitions prises est trop faible, forcément ça va continuer parce que ce sera tentant. Et puis il y a la question de la jeunesse. Mais là, nous avons perdu la connexion avec Catherine. Je pense que... Dites-moi si vous entendez Catherine, mais je pense que plus personne ne l'entend. Je pense en revanche que moi, vous m'entendez. Moi, je vous vois, mais je ne vois plus Catherine. Non, voilà, Catherine est revenue. Ah, non, mais j'avais terminé, c'est pas grave. D'accord, merci beaucoup. Bien, il nous reste donc 4 minutes. Nous n'avons pas le temps pour ce que j'avais prévu, c'est parce que je voulais donner à chacun de vous la parole pour que chacun puisse faire des remarques de clôture. Alors je vais peut-être... dire la chose suivante. Les dernières 4 minutes, vous les avez pour des énoncés. Comme vous l'aimez, pas plus de 30 secondes. Qui veut passer en premier si vous avez des questions? J'ai l'impression que Racha aussi voulait encore dire quelque chose. Oui, merci beaucoup. Amnesty International va lancer un programme à long terme concernant les droits numériques des enfants. Ce programme va démarrer en janvier de l'année prochaine. Et je pense que nous réussirons à faire beaucoup pour protéger les enfants et pour protéger les droits des jeunes gens en ligne. Il est important que les jeunes puissent participer aussi à ces discussions. Internet n'a pas été conçu en pensant aux jeunes et aux enfants. Évidemment, il y a des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais nous considérons que ce ne sont pas des plateformes qui ont été conçues en pensant aux enfants. Donc nous considérons que les représentants de la jeune génération devraient être engagés dans ces discussions au sujet des manières de protéger leurs droits en ligne. Nous voulons donc que ce soit une campagne qui sera présidée par de jeunes gens. Et pour résumer notre discussion, très rapidement, il est très intéressant d'écouter vos remarques au sujet du risque de cyberattaque menée que par un État contre un autre pays. Je voulais juste souligner que souvent, ça a l'air de ça, c'est des sociétés technologiques qui sont engagées, qui rendent ces attaques possibles. Nous avons besoin ici des formes multilatéraux pour élaborer de normes internationales pour l'utilisation des outils pour la cybersurveillance. Oui, merci beaucoup. Bart, toi, si tu n'as que 30 secondes. Extremely important. In Europe, we will legislate. Nous avons réussi dans 8 cas différents de prévenir
une situation où les grandes plateformes surveillent les enfants. C'est très important. En Europe, il y a des négociations en cours sur une correction de la directive NIS. Nous allons parler de plus en plus de serveurs DNS, pas seulement en Europe. Je pense qu'il faut que nous introduisions des principes de base de gestion d'Internet. Si nous ne faisons pas toutes les autres réglementations, ne réussirons pas non plus. Merci beaucoup. Merci à tous. Le temps qui nous est imparti s'est terminé. Je vous remercie et au revoir. Au revoir, à bientôt. Thanks everyone. Goodbye.